Oh! Mais qu'est-ce qu'il fait là, Evil Ban Ban? Bah attends, mais c'est une blague! Il vient même dans un aquarium nous manger! Écoute-moi bien, mon petit kiki derrière ton écran. Je sais que toi et moi, on attend patiemment le chapitre 4 de Garten of Ban Ban. Mais j'ai beaucoup trop hâte, je vous jure. Et en attendant, les amis, pour patienter, je vous ai trouvé du gameplay muy caliente, les amis. Pepito pépite! Parce que oui, aujourd'hui, les amis, on va regarder des boss fights. C'est-à-dire un combat final contre les nouveaux monstres de Garten of Ban Ban chapitre 4. Bref, attache bien ta ceinture, mon petit kiki derrière ton écran. Pose ton pouce bleu et nous, on est parti pour réagir à tout ça. Let's fucking go. Ok, c'est parti les amis. C'est la suite de ce qu'on avait vu sur... Wow, wow, attends, par contre là ça commence direct. Pourquoi on voit son fiac? Pourquoi on voit ses grosses fesses là? Ah oui, je m'en rappelle. La copine de Jumbo Josh avait complètement pété les plombs, amis. Elle avait complètement pété la plomb et elle casse absolument tout. Elle casse les murs. Elle casse tout, les amis. Elle est complètement ma poule. Faire attention. Faire attention de ne pas se faire défoncer. En gros, la copine de Jumbo Josh va nous aider à nous échapper de la prison où Evil Ban Ban nous a enfermés, les amis. Souvenez-vous. Et où? Non, c'est pas Evil Ban Ban, c'était la copine de Jester. Jester Lina. Et là, Jumbo Josh retrouve la copine de Jumbo Josh, donc Jumbo Josie. Tu as oublié de prendre la carte de la réception. Tu ne peux pas, partir sans nous. Enfin, sans la carte, plutôt. Attends, on a oublié une carte. Je crois qu'il y a une carte où on peut partir d'ici. Et je crois qu'on l'a oublié, les amis. Wesh, regardez, là, c'est les enfers. Vous en souvenez? Pour ceux qui regardent bien mes vidéos, les amis. Si d'ailleurs vous êtes un abonné fidèle, marquez dans les commentaires cornichon. Voilà. Marquez cornichon et comme ça, je serai. Hey, toi, viens par ici. C'est trop nul de se faire tuer par un méchant Evil Ban Ban. Les rêves ne viennent pas à réaliser. Les rêves ne sont pas réels. Ouais. C'est super fantastique. Ça sent le pancréas. I don't know how to help you. Mais viens m'aider, il y a Evil Ban Ban. Oh, regardez. Là, en fait, la copine de Jester, elle est aussi méchante que Evil Ban Ban, les amis. Ça se trouve, ça va vraiment être comme ça dans le chapitre 4 de Garten of Ban Ban, je ne sais pas du tout. Il faut juste courir, là. Cours, mon petit cornichon. Cours, mon petit cornichon. Ne te retourne point. Oh. Attends, mais il y a une pluie de météorites, là. On a fait quoi, là, pour se retrouver des météorites dans la tronche? Ok. Cours, cours, cours. Ok. Yes. Ouais. Il est en train de manger? Non. Il est en train de manger qui? Il est en train de manger de la meuf de la réception qu'on avait vue l'autre fois. Non. C'était celle qui nous avait dit soit c'est en enfer, soit c'est en... Wow. Le combat de Evil Ban Ban contre la copine de Jester. C'est ton tour. Mais Evil Ban Ban, en fait, il veut manger tout le monde. Il veut même manger Jester Lina. Mais il a complètement pété un boulot, en gros. Donc ça veut dire que la dame de la réception, les amis, elle est complètement capoute. Evil Ban Ban, stop! Je n'ai pas de pancréas! Je t'avais prévenu, Jester. Ta copine va passer pour le dîner. Ne t'inquiète pas. Ça veut dire qu'en fait, Evil Ban Ban veut manger tout le monde, les amis. Il a complètement pété un boulot. Oh! Tu es moi! Enfin, tu es à moi. Oh! Wesh! Oh! Oh! Wesh, il est en train de manger la copine de Evil Ban Ban, mais il est fou! Hein. Tu es vraiment délicieux! Ah ah ah! Il est en train de rigoler n'importe comment là! J'ai super peur! Oh! Oh, j'ai surveillé sa copine! Nous, on s'en bat les steaks, les amis. C'est pas nos oignons, c'est pas nos affaires. Nous, on se taille d'ici. Maintenant qu'on a la carte, les amis, faut absolument se barrer! Coco, mon petit kiki! Coco! Te retourne pas, te retourne pas! Voilà. Ok, on y est les amis. On va pouvoir s'enfuir d'ici. Enfin. Après toutes les épreuves qu'on a vécues, on va pouvoir enfin s'enfuir d'ici. Jumbo Josh et la copine de Jumbo Josh nous attend. Cours, mon petit kiki. Cours. Ne te retourne pas. Run for your life. C'est-à-dire cours pour ta vie. Dépêche-toi. Oh. Oh, on va passer par là. Attends, mais il n'y a pas de porte là. Ouvre la secrète trappe. Ok. Montre-nous ton courage et ouvre cette porte. Oh. Ok. Premièrement, on a besoin de partir d'ici. Ok, mes enfants. Allez-y en premier. Et après, tu vas après mes enfants. Allez, les petits Jumbo Josh qui font ma taille. Parce que littéralement, ils font vraiment ma taille, hein, les amis. Hein. Joyce, Jumbo Joyce, c'est à toi. Les femmes et les enfants d'abord, les amis. N'oubliez jamais. Ok. Est-ce que j'ai dit qu'on était spécial?
Ok, saute après moi. Sia, ok, à toute mon petit gars. Allez, go. On va dedans. Let's go. Franchement les amis, c'était totalement muy caliente et j'ai absolument envie de voir la suite de cette animation. Donc let's fucking go, on regarde la suite. Ok les amis, on va sauter après lui. C'est parti pour découvrir un nouveau monde les amis. Let's fucking go. Ok, où nous sommes? Oh, oh. Ok, on est dans un tuyau Mario. Oh, coucou. Mec c'est trop drôle. YOLO. Ok, on fait une méga chute. Ok. Oh non, je crois qu'ils sont partis. Ok, il y a de l'eau, comme ça on va pas crever, lol. Même si bon, à cette hauteur, les amis, normalement on est mort. Oh, c'est quoi? Oh, il prend des photos. C'est quoi? Oh, c'est quoi? Oh, on est tombé. On est tombé, les amis, on s'est évanoui. En même temps, avec cette chute de 100 mètres de hauteur. Oh, slow Céline. Le petit escargot qu'on avait vu dans le chapitre... Oh, il y a son mari. Ah, maintenant tu peux respirer. Voici ma maison. Ok. C'est trop bien, il a même une petite voix et tout. Est-ce que tu peux m'aider? Apparemment, je crois qu'il a besoin de qu'on lui retrouve ses lunettes, les amis. Je suis pas sûr. Hein. Parce que ça va assez vite et en même temps, pour vous parler, je comprends pas tout, les amis. Mais je crois que mon petit... comment on va l'appeler? J'ai même pas vu comment il s'appelait. Attends, de toute façon, c'est marqué sur le titre. Slow Silas, les amis. Slow Silas. Mon petit Silas, il faut trouver ses lunettes parce qu'il ne voit rien, mon petit pépère. Et oui. Et du coup, là, on est dans l'eau. Oh, on a trouvé un coquillage. Ok. Regarde tout autour, ça doit être par ici. Ok. Et vous avez vu, sur la droite de votre écran, il y a une espèce de petite fissure. Comme si on s'était cassé... comme si on était genre autour... comme si nous avions mis une sorte de bulles, un peu comme dans Bob l'éponge. Je sais plus comment ça s'appelle. Et genre, on se les brisait comme ça en tombant de cette chute de hauteur. Ok. Vous avez vu, il y a même ces petits bébés. C'est trop mignon. Ok, on lui récupère des coquillages. Look the cave in right. Ah, on va devoir aller dans l'espèce de grotte. La grotte sous-marine. Oh, les sauts qu'on fait. Oh, vous avez vu, il y a des gens qui nous regardent. Oh, mais j'ai l'impression qu'on est dans... Oh! C'est quoi? C'est quoi? C'était quoi? C'est slow Céline. J'ai eu peur. J'ai eu trop peur. Ok. Et vous avez vu, j'ai l'impression qu'on est dans un aquarium. Et sur la droite, il y a des gens qui nous regardent. Je sais pas si vous l'avez vu tout à l'heure. Regardez. On le voit un petit peu. Oh, elle nous aide. Ok, nice. Vous avez vu? Sur la gauche, regardez toutes les personnes. Il y a des sortes de silhouettes de personnes à gauche. C'est incroyable. Ok. Tiens, mon petit slow Céline. Enfin, mon petit slow Silas. Ok, on le met dedans. Ah, je crois que c'était pas... Parce que j'ai vu glasses. Et glasses, en anglais, ça veut dire lunettes. Merci beaucoup. Tu m'as vraiment aidé. En fait, j'ai peur que tu n'aies pas assez d'oxygène. Ok, on doit ouvrir, je crois, l'espèce de... Voilà, de truc comme ça, rouge. Pour peut-être trouver un truc d'oxygène. Donc c'était pas des lunettes qu'il lui fallait, c'était des coquillages, mais je sais pas quoi. Ah non, c'était pas Slow Céline dans la cave tout à l'heure, regardez. C'était un autre monstre, mais c'est qui alors? Mais c'est qui? Parce qu'on a... Il y a Slow Céline, il y a Slow Silas, et lui, c'est qui? Oh, merci mon petit Kiki. Il nous a donné une clé à molette pour ouvrir les... Avec les petits vis, on fait... Comme ça, pour ouvrir les petites vis. Pour ouvrir l'espèce de cave rouge. Vas-y, ouvre-le mon petit Kiki. Ok. Ok. Oh. Ça vient de s'ouvrir. Non, il en reste un. Oh. Mais qu'est-ce qu'il fait là, Evil Ban Ban? Wesh. Bah attends, mais c'est une blague. Il vient même dans un aquarium nous manger. Complètement ma boule. Ton ami Joss n'est pas ici. Maintenant, il va pas pouvoir te sauver. Dépêche-toi, mon petit Kiki. Vite, vite, vite. Cours dedans. Oh, Slow Céline. Il nous aide. Il a dit, va-t'en de mon chemin, Slow Céline. Slow Céline nous a aidés. On se poursuit par Evil Ban Ban dans des espèces de tuyaux. Il est complètement mabou, le gros. Oh!
Mais le non mais il est complètement fou. Attendez, non mais hey, on remet les pendules à leur heure. Evil Banban est venu nous poursuivre même dans les trucs sous-marins. Mais il a complètement pété un boulot en gros. Bon les amis, avant qu'on se quitte, j'avais juste envie de regarder avec vous un gameplay où il a rencontré la copine de Queen Bunselia, les amis. Vous savez, l'espèce de kangourou violet. Et là apparemment il a rencontré son mari, son copain. Voilà, donc écoutez, on va aller voir tout ça. C'est parti, let's go. J'ai trop envie de voir à quoi il ressemble. Ok, on était dans une salle où on avait vu Jester et Jester Lina en train de faire un date, en train de manger en face à face, en amoureux, les amis. Enfin, je pense pas que c'est en amoureux, je pense qu'ils sont en train de concocter des méchants plans pour nous défoncer la tronche. Faut faire attention, hein. Fais attention, mon petit Kiki. Faut pas se faire choper parce que là, si on se fait voir, on est dans le caca. On est dans le caca de chien, les amis. Alright. Ok. Oh. Oh. Ok, je crois qu'on a fait du bruit. Ok, cours, 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 mon petit Kiki. Cours. Ok, on va dans une salle. C'est une salle rouge. Enfin, attention qu'ils nous suivent pas. C'est dommage qu'on puisse pas fermer la porte derrière nous. Oh. Oh. Le copain de Queen Bunselina. Non, Bunselia. Bunselia. Pour moi, j'ai toujours Lina dans ma tête. Vu que c'est... Jester Lina, Banban Lina, Kiki Lina. Peut-être qu'il y aura un personnage dans Garten of Banban qui s'appelle Kiki. J'en suis sûr, si j'étais un énorme youtubeur avec genre 10 millions d'abonnés, si je demandais à Garten of Banban de faire un personnage qui s'appelle Kiki, il le ferait. C'est sûr et certain. Malheureusement, j'ai pas énormément d'abonnés, les amis, donc. Malheureusement, je ne peux point. Je ne peux point. Ok. Oh. Ok. Oh, c'est un Yamataki là. Un Yamakasi plutôt, pas un Yamataki. Pour moi, dans ma tête, j'avais Shamataki et Tamataki. Bon, mon petit Kiki, c'est long là, qu'est-ce qu'il fait là? Il fait du parcours depuis tout à l'heure. Ok. Et c'est dur en même temps ce que tu veux faire là. C'est super dur. Wouh! Il est chaud hein? Bon, là, je pense que c'est sûr et certain que Jester et Jester Lina ne vont pas nous suivre, les amis. Parce que là, le parcours qu'il fait, mec, il monte sur un château, etc. C'est sûr et certain que non, les amis. Et du coup, il est où le King Bunselia, là? Le copain de Queen Bunselia. Bunselia. Oh. Wouhou. Oh, l'escalier de la Muerto. Oh. Oh, les statues. En pierre trop stylée. Ah, mais là, on va se faire poursuivre, là. Là, sur quoi on va se faire poursuivre, les amis? Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ok, on est dans une espèce de salle où il y a un énorme écran. Ok, on a une carte. Allez, ouvre la porte. Oh, oh, en fait, il est dans son château. Incroyable. Bonsoir, mon petit... Incroyable. En fait, les amis, il était dans son château. Non, franchement, c'est trop stylé. En fait, il était dans le château qui est contrôlé par King Bunselia et où c'est ces espèces de sous-chefs, c'est Jester et la copine de Jester. Mais c'est totalement muy caliente, les amis. Bon, bien, les amis, ça va être la fin de cette vidéo pour aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu, mon petit Kiki derrière ton écran. Écoutez, j'ai trouvé que c'était vraiment cool. Enfin, honnêtement, le gameplay qu'on a vu juste avant avec Jumbo Josh, la copine de Jumbo Josh, etc., c'était vraiment incroyable. Honnêtement, je crois que c'est le meilleur gameplay au-delà de cette playtime. Je pensais que cette playtime c'était le meilleur, mais cette playtime c'est un petit peu en train de partir en cacahuète, les amis. Donc honnêtement, je préfère largement Poppy Play Game. Bref, la chaîne des deux créateurs sont dans la description, bien évidemment, les amis. N'hésite pas à lâcher ton petit pouce bleu si ça t'a plu. Abonne-toi à la chaîne YouTube, active la cloche de notification. On se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo, les amis. C'était Wissam, gros bisous, à la prochaine. Ciao ciao.